Bonjour, j'ai décidé de vous faire un room tour. Alors tout d'abord, la fameuse serrure. Ouf, enfin. Alors, quand on arrive ici, on a un rideau. Et là, on a un meuble à chaussures. Voilà, mais il n'y a rien dedans, il n'y a plus de chaussures, j'ai tout trié. On arrive dans le petit couloir. Là, j'ai mon trou de porte. Là, j'ai un petit tapis. Là, j'ai mon caddie. J'ai vraiment une toute petite entrée. Alors, quand on arrive, voilà la porte. Il faudrait que je la peigne encore, mais je n'ai pas fait. Mais peut-être que je vais déménager. On arrive dans le salon. On voit Barbacha Ivy qui dort constamment à côté de moi. Alors, je vais doucement. Hein. Ici, nous avons, ça c'est Ivy qui a été dessus. Nous avons un pouf. Ouais, ça, vous voyez, regardez, ça se voit qu'elle a été dessus. Voilà, nous avons un fauteuil lit qui vient de chez Maison du Monde. Là, nous avons des petits tapis. Alors, moi, j'adore les tapis. Alors, c'est un tapis feuillage, bien sûr, que j'adore. Franchement, je suis trop, trop contente. Ici, vous avez un meuble que je dois me débarrasser. Donc là, j'ai des affaires. Voilà. Mais je dois m'en débarrasser parce que j'en veux plus. Et là, vous avez les commodes avec... voilà, je suis obligée de le garder. Mais il est tellement large que c'est vraiment embêtant, quoi. Ensuite, là, on tourne. Vous avez l'arbre à chat d'Ivy parce qu'elle aime bien être à côté de la fenêtre. Et là, vous avez le sanitol. On a toujours du sanitol. Vous avez des petites caisses où il y a plein de choses dedans. Voilà, ça je le rangerai après. Il y a la petite souris. Là, vous avez l'arbre à chat. Ici, vous avez une cachette d'Ivy que je vais vous montrer. Voilà, c'est sa petite cachette. Et là, vous avez bah, tout simplement la table. La table qui est exactement comme ça. Je l'avais achetée à Action. Mais figurez-vous qu'elle est branle-ballet. Et du coup, je me suis dit, je vais couper la table et je vais prendre juste le socle, non pas le socle, le dessus. Je vais enlever le socle et je vais mettre, ben en fait là il y a une mousse de couette avec un plaid et j'avais acheté à Maison du Monde et le petit truc. Voilà, moi j'aime bien, je fais toujours à la One Again. Ici vous avez la clim. Là vous avez Ivy et elle va dans sa cachette. Regardez là. Elle en a plein mais elle va dans sa cachette. Qu'est-ce qu'il y a? Tu râles. Là, vous avez bah, le tapis. J'ai énormément de tapis comme ça. Et là, vous avez les rideaux. Alors, il faut savoir que moi, je suis très jeune, comme vous pouvez le constater. Voilà. Moi, j'ai des rideaux comme ça pour l'été. Pour la journée, j'ai des rideaux comme ça. Pour l'été, j'ai des rideaux comme ça. Et pour l'hiver, j'ai des rideaux double occultant. Voilà. Et comme je peux pas, je peux plus le faire moi-même parce que je peux plus lever les yeux au ciel. Eh bien, du coup, ben, voilà. Du coup, j'ai fait comme ça. Là, ici, vous avez un petit Bouddha que j'adore. Ça, je l'ai acheté à Maison du Monde. Et ça aussi, d'ailleurs, le smile, toujours important. Alors là, vous avez ma télé. Je n'écoute pas les infos. Hein. Là, vous avez Ivy qui est en train de faire ses griffes. Bon, je vous explique. Hein. Donc, ici... Ça, vous avez les World's Apart, parce qu'avant, j'étais fan des World's Apart. C'est mon ex-mari qui m'a ramené plein de trucs des World's Apart, notamment une carte postale, mais plein d'autres choses, qui va me ramener. Ça, ben, c'est le petit coin à Ivy. Voilà. Ici, c'est mon Bouddha. Là, c'est une vraie plante. Une vraie, vraie plante. Et ça, c'est des fausses plantes. Tout ça, c'est des fausses plantes. Je suis très... Ivy? Qu'est-ce qu'il y a? On va se poser un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Ivy, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Hmm? Ça, c'est la maison que je lui ai fait, que j'ai payé 5 euros à Jiffy. Donc, je lui ai fait des dessins. Voilà, j'ai fait un pot de fleurs. L'autre côté aussi, voilà. Non, Ivy, elle perd tous ses poils. Je vous jure qu'elle perd tous ses poils, c'est une catastrophe. Ensuite, on tourne. Ici, vous avez un Bouddha. Là, donc, vous avez l'arbre à chat. Là, vous avez une petite table. Et là, vous avez, bah, en fait, c'est mon canapé lit. C'est un vrai lit. C'est ce que je voulais en fer forgé. Il vient de Conforama, je crois. Avec un vrai matelas. Qu'est-ce qu'il y a, Ivy? Qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, bah, là, vous avez mon petit coussin. C'est marrant parce que c'est avant le confinement que je l'ai acheté.
Bah, c'est un petit nounours, c'est mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis, parce que j'en ai trois meilleurs amis. Un de mes meilleurs amis, c'est Thierry qui me l'a offert. D'ailleurs, il s'appelle Thierry. Là, vous avez le coussin. Voilà. Là, alors par contre, je vais vous expliquer. Ceci, j'ai acheté à Emmaüs 7,50 m. Et du coup, je vais vous montrer. Il y en a 7,50 m, je les ai lavés hier. C'est pour ça que c'est pas repassé. Avi, tu fais quoi? Elle a tous les droits. Alors oui, je ne vous ai pas dit, mais la table, elle monte. Hein. Elle monte pour manger, quoi. Je peux vous montrer. Hein. Et tout est calculé, tout est chronométré, tout est... Je peux la monter encore plus haut. Hein. Voilà, vous voyez? Et ça, c'est son petit coin à Ivy. Hop. Et voilà. Voilà la table, comme elle est redevenue. Je vous montre. Voili, voilou. Je vous ai dit la maison d'Ivy, et là vous avez donc le canapé avec la déco là. Et là, tout simplement, je vais faire, j'en ai 7,50 m, je vais faire des rideaux, je vous expliquerai après comment. Et je vais faire aussi une tête d'oreiller ou deux têtes d'oreiller pour aller avec. Ensuite, on rentre. Ivy, tu veux bien? Tu veux bien? Alors, ici, vous avez mon vélo d'appartement. Voilà, comme ceci. Ici, vous avez un petit meuble bah avec du rangement, hein, tout simplement. Là, vous avez des placards énormes. Ivy, elle aime bien se cacher d'ailleurs dedans. Regardez, c'est énorme. Et là, vous avez le lit. Alors, peut-être vous n'allez pas voir, mais ça, ça va partir. Et le lit, je vais l'acheter, mais je ne sais pas si je déménage ou pas. Et voyez, regardez, ça, c'est ma tête de lit. Voilà. Ceci, je l'ai acheté à Emmaüs, je l'ai payé 40 euros. Non, 20 euros, pardon, 20 euros. Il était tout neuf, il venait d'arriver. Mais vraiment, hein. Ça, c'est les petits coffrets que j'achète tout le temps, plutôt que d'avoir des cartons. Et on va dans la cuisine. Allez, on va dans la cuisine. Alors ça, c'est le jeu à Ivy, hein. Mais je le mets là parce que c'est pratique, mais c'est un grand tunnel immense. Là, nous avons la cuisine. Vous avez le four. Je fais beaucoup de cuisine. Hein. Voilà. Et là, vous avez... Bah, en fait, vous voyez, vous pouvez faire comme ceci. Et voilà, mes rideaux que j'ai fait moi-même. Alors, je vais vous expliquer. Ceci, c'est des ciseaux cranteurs. On a pris une nappe, tout simplement. Une nappe que j'avais à la maison, que je me sers régulièrement quand il y a trop de soleil. Vous voyez, là, il y a vraiment beaucoup de soleil. Hein. Et... En fait, ce qu'on fait, je vais vous montrer, vous allez voir, regardez, voilà, je prends comme ceci, là, c'est tout simplement une nappe, hein. Et ça c'est le bout qu'on a coupé pour faire, pour égaliser, voilà, et ça, ben, ça revient à 10 euros. Voilà, même pas, non, je dis n'importe quoi, rien, parce que là aussi, mais là, il y a trop de soleil. Voilà comment ça fait. Et celui-là, c'est pour celui-là. Ensuite, ici, vous avez mes réserves d'eau. Il y a les fils, là, qui pendouillent, mais vous avez mes réserves d'eau. Ça, c'est les fils de la machine à laver. Voilà, et là, vous avez mon dessin que j'ai fait. Voilà, c'est des arbres. Ici, vous avez mes épices. Celui-là, ben, malheureusement, on n'a pas pu mettre le rideau blanc derrière, mais c'est pas grave. Voilà. Ici, ben, ça, c'est Ivy, elle en veut plus, c'est de la pâtée. ici, vous avez ben, tout simplement le placard à cuisine que j'ai mis, j'ai fait à la One Again. Hein, c'est moi qui ai tout fait. Hein, et ça décolle, ça se décolle. J'ai été acheter ça à Livy Express et ça, ça vient d'Action. Voilà. Tout ça, ça vient d'Action. J'ai acheté Action. Voilà, tout ça. Non, il y en a qui viennent de Maison du Monde aussi. Voilà, le lierre. Tout ça. Ça, ça vient de Maison du Monde. Non, il y a pas mal de choses qui viennent de Maison du Monde. Là, vous avez mes oignons. Là, vous avez ma petite table. Et vous avez mon frigo qui est là. Alors, en fait, quand on arrive, on fait comme ceci. Voilà. Ici, là, je cuisine là. Là, j'ai mon micro-ondes.
Là, j'ai ma machine à laver, là, j'ai mon évier, mon chauffe-eau, mes placards. Et moi, je voulais vraiment des grands placards, vous savez, je voulais faire une installation. Et quand j'ai vu qu'il y avait ce meuble-là, je me suis dit, mais attends, ça, c'est des meubles à Yannick. C'est des meubles qui étaient à Yannick, hein, que je me suis resservi. Hein. Moi, c'est du bricolage, hein, je me dis que ça. Hein. Voilà. Et ensuite, on sort et on va dans la salle de bain. N'est-ce pas, Ivy? On va dans la salle de bain. Alors, tout d'abord, je me suis acheté ça à Emmaüs, je l'ai payé 5 euros. Il est tout neuf. Mais par sécurité, mais il est vraiment tout neuf, hein, je vous le dis, regardez. Il n'y a rien, quoi, il est impeccable. Mais par sécurité, je l'ai mis avec ça. Voilà, le truc à vapeur. Alors, ben là, vous avez. Là, c'est le bordel. Là, vous avez les toilettes, tout simplement. Avant, il y avait un coffrage, ils m'ont retiré le coffrage, sans me demander mon avis, ni quoi, ni qu'est-ce. Bref. Là, vous avez le fauteuil à Ivy. Et là, vous avez tout simplement les petits poissons, comme ceci, dans la baignoire. Et vous fermez la baignoire, voilà. Et vous avez ce rideau que j'ai acheté, c'est le rideau Océan 5,90 que je viens d'acheter à Lidl. Et ça, c'était un ancien rideau de douche. Je dis, moi, je suis à la one again. Hein. C'est un ancien rideau de douche que j'ai mis parce que là, il y a toutes mes conserves. Voilà. Ben écoutez, on a fait le tour. Hein. Voilà. On a fait le tour. Et ça, normalement, je dois découper. Alors, j'ai un ciseau crampeur, mais ce n'est pas un petit ciseau crampeur. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà. Vous voyez, il faut qu'il soit comme ça. Épais. Ça coûte assez cher. Mais ça vous évite de faire des ourlets. Quand vous ne savez pas. Le pire, c'est que je sais coudre. Hein. Quand vous êtes feignante, on va dire. Voilà. Et là, on sort de la chambre. Et j'aime pas quand ça fait pas droit comme ça. Et ça fait un pli, là, ça me plaît pas. Je n'aime pas. Voilà. Et je suis souvent là, vous me voyez souvent là. Et là, je vais faire, peut-être maintenant, je vais découper, et puis je vais faire une taie d'oreiller. À la one again, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Voili, voilou. Eh bien, vous avez vu. En gros, maintenant, je vous refais vite fait la cuisine. Voilà, je suis trop contente parce que c'est des nappes. Franchement, vous voyez, on a fait des trous comme ça. Moi, je suis très MacGyver. Hein. Voilà, donc on tourne. J'avais mis ça aussi, mais je trouve que ça fait pas terrible. Voilà. Faut aimer, hein, je vous le dis, hein, moi j'adore. Alors ça fait fouiller, parce que c'est un truc, ça marche encore, je crois, mais bon. Je vais le jeter. Voilà. Ma plante, il faut que je m'en occupe. Oh, c'est pas vrai! Regardez, elle fait encore une fleur. Vous savez que c'est extrêmement rare, extrêmement rare. Elle est en train de faire une fleur. C'est pas vrai. Oh là là, tous les ans, elle me fait une fleur. Alors là, c'est bon signe. Hein. On va de nouveau, ça porte bonheur. Oh, mais c'est pas vrai, elle me refait une fleur. Il faut que je vois ça pour le. Incroyable, attendez. Ah non, mais c'est phénoménal. Hein. Vous savez que ça, c'est des plantes qui sont extrêmement rares. Hein. Incroyable, elle me fait une fleur. Je m'en suis un peu occupée, mais bon, vous voyez, je peux plus aller en haut. Mais en haut, par contre, elle me refait des plantes. Voilà, ça c'est du faux, hein, bien sûr. Je vous montre. Encore une fois, en gros. Hein. Voilà. Je vous remonte sans détail. Hein. Voilà, la salle de bain. Ici. Voilà. Ça fait 39 mètres carrés. Voilà. Et moi, j'adore être là. Franchement, je reviens pas qu'elle me fait une fleur. Voilà. Et voilà. Je vous montre vite fait, comme ça, la cuisine. Si ça donne des idées à quelqu'un, voilà. Et la chambre. Et la chambre. Voilà. Il y a des nounours, il y a le gros nounours qui est là. Voilà, les arbres à chat à Evie, pour qu'elle puisse monter partout, pour qu'elle puisse s'amuser comme une fofolle. Voilà, en fait, je fais exprès, hein, parce que je pourrais les replier et les ranger. Hein. Voilà, et puis là aussi, vous avez la tour Eiffel de Tachito. Voilà, mon bout de soudane.
Et voilà, et là vous arrivez ici dans mon antre. Voilà, bah écoutez, mettez un petit pouce si ça vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et puis mon ordinateur que je n'ai jamais présenté, voilà, c'est un Victus 16. C'est vraiment le dernier des gaming. Voilà, c'est un bon ordinateur assez puissant. Je peux faire beaucoup de choses avec. Voilà, et eh bien, mettez un petit pouce, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et surtout, mettez des petits pouces parce que ça fait super plaisir. Et puis abonnez-vous. Allez, ciao.